بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك في هذه الحصة غادي نحاول أنني نبرهن على واحد الخاصية اللي هي جد مهمة، اللي كتعلق بطبيعة الحال بالهندسة التحليلية. دونك باش نبينو بلي جوج ديال المستقيمان دي و دي بريم سون بيربونديكولير، دونك بلا ما نرسمو، دونك يكفي أننا نتعاملو مع المعادلة المختزلة ديال المستقيم دي والمعادلة المختزلة ديال المستقيم دي بريم. دونك كنعرفو بلي أن المعادلة المختزلة باغ اكزومبل ديال لا دروات دي s'écrit sous la forme y égale mx plus p. De la droite d', par exemple, elle s'écrit sous la forme y égale m'x plus, par exemple, p'. Donc, ce qui nous intéresse ici dans cette propriété, ce qui nous intéresse, c'est le nombre réel m et le nombre réel m'. Donc, que dit la propriété ? La propriété nous affirme, ou bien nous aide à démontrer que deux droites sont perpendiculaires, quand est-ce que lorsqu'on multiplie le nombre m par le nombre m', on obtient moins. Donc on a ici deux propriétés. Si on sait que d et d' sont perpendiculaires, alors comme résultat, on aura m fois m' est égal à moins 1. Et inversement, si on calcule le produit m fois m', on obtient moins 1, alors on peut dire que la droite d et la droite d' sont perpendiculaires. Donc, dans cette séance, on va essayer de démontrer cette propriété. À vrai dire, ce sont deux propriétés. Donc, je viens de dire que si on a m fois m' égale à moins 1, alors on obtient que d et d' sont perpendiculaires. Inversement, si on a d et d' sont deux droites perpendiculaires, on trouve que m fois m' égale à moins. Donc ici j'ai préparé un schéma sur lequel je vais travailler. Donc voilà. Donc supposons par exemple la droite bleue c'est la droite D. Donc ici je vais écrire par exemple cette droite c'est la droite D. Et la droite en vert c'est la droite D'. Donc bien sûr comme je viens de dire que toute droite de cette forme, par exemple, la droite D admet une équation réduite de la forme y égale à mx plus p, et l'équation de la droite D' est de la forme D' y est égale à m'x plus p'. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de démontrer? Donc, on commence par le côté qui est plus simple. Donc, on va démontrer que si D et D' sont perpendiculaires, ça veut dire la propriété directe, si D et D' sont perpendiculaires, alors on va démontrer que M multiplié par moins 1 est égal, pardon, que M multiplié par M' égale à moins 1. Donc, on sait que lorsqu'on a une droite et un point extérieur à cette droite, alors on peut toujours tracer une droite qui est parallèle à celle-ci passant par ce point. Donc ici, j'explique, on a une droite D qui passe bien sûr par A et B, et on a un point O qui n'appartient pas à la droite AB. On sait que par une droite, par un point quelconque, il passe une droite et une seule qui est parallèle à une droite donnée. Donc ici, j'ai tracé la droite qui passe par O et qui est parallèle à la droite D. On va faire la même chose. On prend une droite parallèle à la droite CD, ça veut dire la droite D' et qui passe toujours par O. Donc au lieu de travailler avec la droite D et la droite D', donc ils sont bien sûr ici perpendiculaires, on sait. Donc on va travailler avec la droite OE. Pourquoi? Parce que OE c'est une droite qui est parallèle à la droite D. Et la droite OF c'est une droite qui est parallèle à la droite D'. Donc bien sûr parce que puisque les droites D et D' sont perpendiculaires, on sait, alors on peut dire que la droite OE et la droite OF sont perpendiculaires, bien sûr, en haut. Donc ici, on a un angle droit. Donc on va essayer maintenant de multiplier M par M' et on obtient, bien sûr, on va démontrer qu'on obtiendra comme résultat moins. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on constate ici, donc bien sûr, j'ai ajouté, comme vous le constatez ici, une droite qui passe par I, ça veut dire qu'il passe par le point d'abscisse, c'est égal à 1, et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, elle coupe la première droite en E et la deuxième droite en F. Ça veut dire que le point E et le point F et le point I sont alignés,
d'un côté. De l'autre côté, on peut dire que le point E et le point F ont la même abscisse, C1. Donc, on peut écrire que XE égale XF égale à 1. Donc, on sait que M, le coefficient directeur, donc M, comment on calcule M. Donc, ici, on a deux points, c'est le point E et le point O. Donc, pour calculer M, on écrit YE moins YO sur XE moins XO. Or, on sait que XO, c'est 0. YO, pardon, c'est 0. XE, c'est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que M est égal à YE. D'un autre côté, M', on va calculer M' en utilisant bien sûr le point F et le point O, parce que M', c'est le coefficient directeur de la droite OF. Donc, de la même façon, M' est égal à YF moins YO sur XF moins XO. XO égale 0, YO égale 0, XF est égal à 1. Donc on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que M est égal à YE et M' est égal à YF. Voilà, je continue. Ici, on constate bien sûr que puisque la droite EF est parallèle à l'axe des ordonnées, alors ici on a le point d'intersection, ça veut dire que le triangle IEO, ce triangle, que j'efface, oui, je répète, donc le triangle IOE, le triangle IOE, c'est un triangle rectangle bien sûr en I. Le triangle IOF, c'est aussi un triangle rectangle en I. Donc ici, on peut utiliser les relations trigonométriques. Par exemple, le rapport qu'on peut utiliser, c'est la tangente. Donc la tangente de cet angle, donc l'angle EOI. Donc on va l'écrire. Tangente donc ici l'angle elle est appelée l'angle bêta, donc tangente bêta. Tangente bêta égale. Donc est égal à quoi? Donc on sait que la tangente c'est le quotient du côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici le côté opposé c'est IE divisé par OI. Donc je vais écrire IE c'est pardon c'est IE divisé par OI. Or, qu'est-ce qu'on a? On a EI, la distance EI, c'est égal à YE, c'est égal à YE, divisé par OI, c'est égal à 1, donc tangente bêta est égal à YE. On travaille dans notre triangle, le deuxième triangle, le triangle IOF. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a tangente gamma. Donc, cet angle, l'angle FOI, c'est l'angle gamma. Donc, la tangente de l'angle, ou bien de la mesure de l'angle gamma, c'est toujours le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, on va écrire tangente gamma. Le côté opposé, bien sûr, c'est IF sur le côté adjacent c'est OI. Donc on vérifie. Oui, donc tangente cet angle FOI, c'est le côté opposé, ça veut dire c'est IF divisé par OI. IF divisé par OI. Voilà, très bien. On continue. Donc OI bien sûr, c'est toujours 1. Et IF, donc faites attention ici parce que IF IF, voilà, on a ici l'ordonnée du point F, c'est négatif. Donc la distance IF est égale à moins YF.
Donc ici, je vais écrire moins YF. Donc YE, donc nous avons dit que YE, c'est M. Voilà. YE, c'est M. Donc je vais la remplacer. Donc ici, je vais écrire M. Et moins YF est égal, donc je vais remplacer bien sûr. Donc on a déjà YF est égal à M'. YF est égal à M'. Donc on remplace. Donc ici on a moins YF, ça veut dire moins M'. Donc maintenant on calcule M fois M'. Donc M fois M'. C'est égal bien sûr M, c'est tangente bêta, fois, donc M prime, ici on a moins M prime, attention, moins M prime, donc M prime est égal à moins tangente gamma, donc je vais multiplier par moins tangente gamma. Je vais sortir le 1, donc c'est moins tangente bêta, fois tangente gamma, est égal, je continue, c'est moins. Donc tangente bêta fois tangente gamma. Donc voilà, ici on va utiliser une remarque très importante. Donc quelle est la relation entre les deux angles? Donc l'angle bêta et l'angle gamma, c'est que bêta plus gamma est égal à 90 degrés. Donc je vais l'écrire quelque part ici. Donc bêta plus gamma est égal à 90 degrés. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on a supposé que les deux droites sont perpendiculaires, donc la droite D et la droite D' sont perpendiculaires, donc elle en va de même pour les droites OE et la droite OF sont perpendiculaires. Ça veut dire ici on a un angle droit dont la mesure est égale à 90 degrés, ça veut dire que l'angle bêta et l'angle gamma sont complémentaires. Or, lorsqu'on a deux angles complémentaires, donc si alpha. Donc je vais écrire ici, remarque, si alpha plus bêta est égal à 90 degrés, alors nous avons vu dans le premier semestre que tangente alpha est égale à 1 sur tangente bêta. Donc cette remarque, on va l'utiliser dans ce cas. Donc à la place de gamma, je vais écrire 1 sur tangente bêta. Nous simplifions bien sûr par tangente bêta, on obtient moins 1. Ce qu'il fallait démontrer. Donc nous avons démontré la première partie. Donc que dit la première partie? Si la droite D et la droite D' sont perpendiculaires, alors lorsqu'on calcule le produit M multiplié par M', on obtient moins 1. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais démontrer la réciproque. Ça veut dire lorsqu'on calcule, ou bien lorsqu'on calcule, oui, M fois M', on obtient moins 1. Pourquoi? On peut en déduire que la droite D et la droite D' sont perpendiculaires.